Céline Dion s'est fait un sang d'encre, pendant des mois, pour son grand-fils René Charles. Mais depuis qu'elle est retournée vivre à Las Vegas, la chanteuse a retrouvé son garçon. La suite après la publicité, elle a toujours eu sa famille dans la peau. Mais ces derniers temps, les choses semblaient aller à volo entre Céline Dion et son grand-fils aîné René Charles. Alors que la chanteuse affronte la maladie, elle est atteinte du syndrome de l'homme raide. Les traitements expérimentaux et les annulations multiples de concerts, son garçon semblait davantage se concentrer sur sa passion pour les jeux d'argent. Mais tout semble aller désormais pour le mieux, selon les informations du magazine Closer. Dans son édition du vendredi 10 novembre 2023, Elle Hebdomadaire explique effectivement que René Charles et Céline Dion seraient à nouveau très proches. Surtout depuis que la chanteuse est revenue vivre dans son manoir à Las Vegas. Ils travailleraient même ensemble, loin des casinos et autres tentations, puisque le jeune homme de 22 ans aurait décidé de se lancer dans la production musicale comme son père René Angélil. Et que sa mère lui a promis de mettre à sa disposition son immense réseau. Le lundi 30 octobre 2023, ils étaient même apparus ensemble, avec les jumeaux de 13 ans Nelson et Eddie, dans les vestiaires des Canadiens de Montréal à la fin d'un match de hockey au Golden Knights à Las Vegas. René Charles, qui a quitté sa compagne Angélique Vaishnavman, aurait pris la décision de rejoindre sa mère après avoir passé quelques jours avec elle en août dernier, et tous deux ont discuté de son avenir. Un échange tendu mais enfin constructif, après des mois de mésentente. On aurait pu croire à une véritable fracture familiale. En juin dernier, alors que le film Love Again de Jim Strauss, dans lequel joue Céline Dion, essuyait un bel échec commercial, René Charles ne semblait pas être dans les parages pour éponger les larmes de sa mère. Ni pour ça, ni pour la soutenir dans son combat contre la maladie. L'absence d'empathie de ce dernier pour les déboires maternels semble confirmer les rumeurs, pouvait-on lire à propos du jeune homme, dans les pages du magazine Gala. Flambant allègrement son héritage, il répondait aux abonnés absents mais semble, finalement, avoir retrouvé le chemin menant vers sa maman. Ah, The Power of Love. Retrouvez toutes les informations sur Céline Dion dans le magazine Closer, numéro 961, du 10 novembre 2023. La suite après la publicité.